Yasolo bandeko bana somi ekolo Congo lo sakombo kabino esika nyoso bino bozwa mi bo so betandwa bino mi kepo ete bonanda nini teli bino mokolo na lelo bolibi si na ba oyo banso ba mesala ko na biso na katina en direct et alors yasolo ke ba konchiro permettre ete na kanisi lobi to ko essayer encore une fois po ete to le grand dire po to pesa bino ba sangonini eza ko le ka na mabele ekolo Congo. Mais le loto y a solo, to l'accepte ou sabino qui a solo. Ma comme ça qu'on est calabéré colo Congo, to ça qu'on le bel abino, mais colo yon so, ba ye bate. Ba ye bate, ba ye bate, mais yo ye ba. Banani ba ye bate, mais yo ye ba. Ba oyo ba dongolo miso la communauté internationale, ba occidentaux, ba ye bate. Ba ye bate ke, bisongay na yo to yebi. To yebi ba nani baza ba yini ya mabele kolo Congo. Ba dongolo miso nde bango o teza kubundisa butu tongo mpokwa. Lelo to kanesi eze sengo mingi na kubusa bino kia solo eza li elonga. Elonga eza le pa ina bino poete mai manso tolo baki lobi. To baniko mwana ke tango ya onde koki oyo nzambe ya mpungu tulenda permetre biso ke to zwa elonga na biso li boso na ba oyo nyonso ba kantake ke toko yebate. Banane ba kantse ki boye bate ezadinde ba dongolo miso otobele naka les occidentaux aujourd'hui ba komi aux abois mato de pain de no poete nzambe ya mpungu tulendo asale makamu sinaye to landa ona lubera kabino mikolonio so poete tango na ngonde ekoki. Mais ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. By the middle part of the century, it's going to be wrong. Ce sera les femmes, les personnes de couleur et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère, qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Voilà, mes chers amis, leurs jours sont comptés. Mais Kolona Bango est cookie. Mais banani bazo facilité bango ba garder toujours monopole ya ko maté biso ya ko kosa biso ya ko sala tout ke biso to yeba teke leurs chansons comptées et ba jour na bango ekoki esili ba na sobie ko lo Congo bolanda na boke binyoso po te ntangu e foeni ntangu to ba ke foeni ya sorte ko mona ngonde ekoki. Voilà, na kati assemblée nationale, les gens qui étaient le plus corrompus du Congo, ba bela ki bango, ba oy ba député, ba sénateur, o mo konzi na bango ezalaki mbonso. Le l'autre côté ezali o ba bengi ba ati lokwebo. Bango mo ba ko comprendre que le temps koki population ba peuple congolais ba comprendre que il est temps pour être to benga na banguna. Il est temps pour chasser les occupants. Il est temps pour chasser les Occidentaux. Il est temps pour chasser les Occidentaux et l'Illuminati. Il est temps. Si vous avez communiqué à ton frère, dis-lui qu'il est temps. Nzambe ya mpungu tulendo apambola moko na moko na kati na bino ba ibanso ba mesela kuna biso na TV lo laka mvuluzi kimbangu ya solo laka mvuluzi kimbangu eza ko sala musala na ngo tupesi matondo 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 mingi na nzambe ya mpungu tulendo po ete etumba oyo alongi si biso ya ngo li posa banguna beli bina tito ba formation tolongi bango matondo nzamba pambola bino ba ibanso ba mesela kuna biso na TV na biso laka mvuluzi kimbangu matondo matondo na mbuta na biso MKN matondo pa ya yo matondo na papa na biso Emmanuel Yeko matondo na papa na biso Michael matondo matondo na mama na biso Ana Lusa Kweno matondo na papa na biso Francis Bitodi matondo na ba oyo bonso mesela ko na biso mama Dinkera Lemba mama na biso Véronique Mbala mama na biso mama Tete mama Ramé Nationale Peuple Congo to bosani yo te ba mama na biso nso nzamba pambola bino ba yo ba mesela ko ye ba ki a solo musato saraka e ezali pona ekolo Congo.
bande ko bana somi ko lo Congo ya solo toko kota na makamu nyoso otela kibino lelo. Alors matondo ba oyo banso bazali mobiliser pour faire passer le message aux autres amis qui sont ces gens-là tropés à matondo, c'est ce démobilisateur le faisait d'opinion publique oyo ba congolais ba bina Congo matondo na bino o baza ko mobiliser toko tanga ba Congo mingi te pote ya solo boyi bino moko nzaba pambo na bino poza musale kolo toko kumisa bino te meza musale kolo bishop tuza ko sala pesi matondo na bino tuzo senga na bino ba quartier bozali passer le message aux amis lakisa bango ba luka ennemi des ali ambassadeurs ennemi des ali ba ambassade ennemi des ali ba ONG international ONU sur la carte na Kolo Congo au bas na carte na Nord Kivu na Sud Kivu au bas na carte na Kinshasa na Bandundu na Équateur na Kasai partout ONG sont plus dangereux, ce sont des agents des renseignements, les gens qui font qu'aujourd'hui ba dans tel coin qui est la chef coutumier, qui est là. Alors c'est à nous de faire passer le message aux autres qu'il est temps pour nous de se prendre en charge. Prenons-nous en charge, Tango Balwaki, prenez-vous en charge, il est temps, Tango Ufweni, de se prendre en charge. N'attendez pas, parce qu'il y a seulement ce tourba qui lobby et Bandikoko qui s'en prenez-vous en charge, yo yebike, prenez-vous en charge, et l'ingi kolobanini. Alors, Bolanda. Le peuple doit se mobiliser, tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. Voilà, c'est bien compris. Alors, Bandekoba na Somekolo Congo, c'est ce qu'on dit. Merci beaucoup pour l'opération. Non aux ambassadeurs espions, non aux ONG au service d'espionnage, au bâtre espionnage, éveil patriotique. Matondo na bino son éveil au tout ça, comme ça, là, à gauche, à droite, pour être tout la moussaba. Oye, biso, bazana katina pongi, bazako yébate tango, ekokin, tango, efweni. Alors, Bandekoba na Somekolo Congo, on vous a alerté, on vous a dit. C'est que se passe dans les coulisses, le grand complot. Oyoti Lomboza complice. Il vous a demandé d'aller se faire recruter auprès de la FARDC. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes se sont partis donner leur nom et s'inscrire pour aller au service militaire. Alors, les jeunes, Oyoba Leka Kinakatina Goma, aujourd'hui, va transmettre Bangoba Kena Kinshasa. Quelle est la stratégie? Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Tu sais que Bino, attention, Félix n'est pas là pour nous, Félix est là pour les autres, pour les Tutsi-Rwandais et la communauté internationale. Méfions-nous de tout ce qu'ils ont eu dans la Katina Mamoutou, il y a Félix et Antoine Tshilombo. Méfions-nous. Et voilà, tu as dit que moi, je suis là pour te faire un peu de. Et voilà, maloba nanga inganga. Likamona loba ki lobi, le kokisame, bana nonso obazwa ki bangona katina Nord Kivu, ba se retrouver aujourd'hui, ba même bangona katina Kinshasa. Quelle stratégie aujourd'hui, dans le même moment que je vous parle, ba soda obaza na katina Nord Kivu, obaza déjà dans l'armée, dans la FARDC, souffre, manque de l'eau potable, manque d'alimentation et manque de munitions. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est très important. Ce qui se passe là-bas, c'est une façon, c'est la stratégie que ces gens ont fait. Aujourd'hui, faites mettre tout en place, demandez à l'armée d'aller en guerre et dans l'entretemps pour faire voir aux autres amis bah, congolais que oui, tout ça, voilà, tout ça, Bunda peut être libéré Congo. Mais dans l'entretemps, bah, on va faiblir la force, la FARDC. Comment stratégie? Oui, bah, on va faiblir quoi? En l'air. Bazoko privé bango mai, bazoko bango kolia, bazoko privé bango suivi. Et alors, basoda bako décourager. Et voilà, Félix qui travaille pour affaiblir la FARDC et donner l'avantage au M23. Vous avez compris? Félix qui travaille pour affaiblir la FARDC et donner l'avantage aux autres, M23 et les Rwandais. C'est la stratégie où il y a une carte. Mais qu'est-ce qui va leur arriver, Bandeko Bolanda? Ce qui va leur arriver, et d'ailleurs c'est déjà arrivé, ils ne savent pas comment ils vont prendre possession du Goma.
comment vont prendre possession de la place de ce pays tant que la population va aller conscient va dire non à la balkanisation. Ça devient costaud, ça devient difficile pour Nabango. Et c'est l'avantage, c'est notre victoire. C'est notre victoire, c'est-à-dire que. Et ils pensaient que c'était facile en corrompant les gouvernements, en corrompant la présidence, en corrompant les officiers militaires, et ça va être facile. Mais ça devient compliqué grâce à vous. Grâce à vous, Bande Konangai, grâce à vous, Bino, au Bozoko Landangai, au Tzo Salamo Salabiso Nzamba Pambola, Bino, Maton de Paina Bino, Nabama, prière Nabino Bamama. Donc voilà, l'échec Nabango déjà, Babou Nyango. L'échec Nabango est commis. Comment? Nous sommes dur ces pays comment? Si on prend les Goma aujourd'hui et que la population de Goma est contre nous, nous allons faire quoi? Donc, ma population à Goma, basa contre. Ma population à Kinshasa, basa contre. Toutes les stratégies qu'ils ont mis en place, ils ont échoué. Ils pensaient même en organisant les concerts pour décourager les autres. Et alors, non, voilà, les Congolais de Kinshasa sont contre leurs amis, leurs frères de l'Est. Et alors, diviser les autres. Mais bah, Monique échoué. Échoué pour être le lot. Stratégie bah, qui est en place, bah, concert, bah, fallait tout ça. Échoué, population, le dit non. Non, ce sont nos frères. Ce sont nos frères de l'Est. Ce sont nos frères qui sont là-bas. Ils sont nos frères. On ne peut pas les laisser. Et le frère aussi de l'Est qui dit, non, les gens qui sont à l'Ouest, ce sont nos frères. Les gens qui sont à Kinshasa, malgré ils sont allés danser, mais ce sont nos frères. Merci. Merci. Matondo, nous avons pas bon abino. Nous avons pour vous donner pas bon abino. Vous nous qui m'avez dit, nous avons pas bon abino. Maman qui m'a invité à pas bon abino. Matondo n'est pas un abino. Tolongi bako. Longi Bango, il faut continuer d'en parler. Continuez vous, ma maman, pour ça que la prière n'a bien pas été tout longue. Alors, bande de combats dans ce sommet, que le Kogo a sauté, non, surtout Beta Kabino, Yasolo, 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 Ezali, Makamo, Nzabatoti, Biso, Tosala, Yango. Voilà. Arrêtez de soulever des hypocrites. Oyo, baza ko ndire bien l'erreur pour être ba kabola Congo même ba ko longa te bien vos cepela et mobiliser les autres que toyé ba. Je répète encore une fois, vous savez aujourd'hui qui sont nos ennemis en RDC Congo. Les ennemis ne se cachent plus toyé bango, c'est la communauté internationale, les occidentaux qui sont dans les ambassades, il y a France, il y a Allemagne, il y a États-Unis d'Amérique, ce sont vos ennemis. Oh, bah, l'ingi binoté, bah, il m'a exterminé bino pour leurs intérêts. Alors, c'est à vous de comprendre. Alors, soit vous acceptez tout ce qu'on vous impose, et alors vous êtes exterminé. Bon, dimi, oh, nous sommes au tchab, nous avons un plan avec Félix Tchilomo, avec son gouvernement, et alors, bah, zoko boumé bino a petit fait. Comment zoko boumé bino a petit fait, na kansi, boumé bino moko, ma kamoudini, et zako de kawana, na ma belle kolo Congo. Donc, prenons-nous en charge, disons non à ce gouvernement, non. Au commandement militaire de la FARDC, passons le message aux amis pour leur dire, écoutez, soit vous suivez le commandement qui vient au-delà de tout Rwandais et vous êtes tous exterminés, c'est fini, ou soit vous comprenez qu'il est temps de se prendre en charge et de dire, nous défendons la FARDC. Vous allez au front pour l'intérêt du pays, de la nation, nous sommes d'accord qu'Imbango est avec vous. Mais si vous partez parce que Félix nous a donné des ordres, vous allez jouer. Nakanti, vous comprendrez très bien. Voilà, Bandeko, Banosome Kolo Congo, tout ça qu'on continue, couper Sabino Basango, Oyo, Ezako Leka, Namabele Kolo Congo. Alors, Bandeko, Nakanti, Mouze, Aloba, Kiango, la guerre sera longue et populaire. La guerre est déjà longue et populaire. Il est temps que chacun de nous apprendra. Possession, Yakoyeba, comment il doit se bêler dans cette guerre? Oyobaye, le Bissot, pas les Occidentaux. Ils vont jamais, je dis bien, jamais réussir sans votre accord. Je vous dis bien, je vous disais tout le temps, ils vont jamais, je dis bien, au grand jamais réussir sans votre accord. Si vous permettez, là ils vont réussir. Félix peut signer cet accord bidon à gauche, à droite. Les deux officiers militaires de la FARDC peuvent signer leurs accords à gauche, à droite. Mais tant que vous, Binobande Konangai, vous n'êtes pas d'accord, Toresir Bango, et alors nous allons leur mener une guerre farouche. Et là, ils vont comprendre que ah, le peuple congolais n'était pas du tout d'accord avec notre plan satanique pour partager ces Congos.
Voilà, bande ko bana somme ko lo Congo na kanisi tango to beta kambela esengela kana biso nyonso to yeba wapi tozo kende et tozo bunda bitumba yango ndenge nini moko na bino ayeba bitumba tozo ko bunda koza bitumba na biso ezanini na kanisi nyonso eza detaillé na o nyonso eza koleka na mabele ye ko lo Congo. Allez, tola. Plus de 60% des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? On va nous faire une guerre ici. Comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera. Et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Et nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Voilà. Voilà, Bandeko, quelle cohérence. Incohérence, pardon, dans tout ce qui se passe là-bas, c'est à vous de comprendre pourquoi il a dit ça et aujourd'hui, il suppasse tout ce qu'il a dit. Nous avons à ça qu'on confondrait. Alors, c'était le plus important de vous passer comme message. Il est temps pour vous de comprendre la situation qui se passe là, dans ma belle école Congo. Il est temps pour vous de vous mêler dans cette histoire, de comprendre, de prendre ce qui était important. Le message était donné, mais aujourd'hui, il est en train d'affaiblir notre FARDC de l'autre côté. Affaiblir par des stratégies de ne rien donner à la FARDC et de les faire souffrir. Ils vont abandonner pour faire, pour donner l'avantage aux autres qui sont là, dans ma belle école Congo. Mais bravo, bravo à la FARDC Congo pour l'effort qu'ils sont en train de faire pour passer à la guerre Oyo pour la vigilance. Allez, Tola. FARDC aussi, Kokangaba, tous sont rwandais. Avec les armes lourdes fournies par la communauté internationale en complicité avec le Rwanda. Il est temps de le dire tout, la communauté internationale veut le morcellement de la République démocratique du Congo. Voilà, Bandeko, Bakangi, Bango, Batuti, Rwandais sont là. Et qu'est-ce qu'ils attendent pour leur dire, écoutez, soit parce que ces gens sont venus pour tuer en RDC Congo, on ne peut pas les laisser libres. C'est ce qu'il faut demander aux autres amis qui sont à gauche, à droite, dès que Bokangi, Batuti, Rwandais, ne les laissez pas, ne les donnez pas aux mains de la police ou de la FARDC. Il faut finir avec ces gens-là parce qu'ils sont venus en aide de ces Congo pour la Roboma Bisso, Bisso de Kotika Bango, Baleka, Nenge Wanati. Alors, il est temps pour chacun de nous de se prendre en charge pour dire on a compris qui sont nos ennemis. Aujourd'hui, c'est connu. Bravo, bravo, c'est connu tout le monde. Allez, c'est parti. Mais aussi avec la République du Congo, que nous saluons pour son implication dans les affaires internationales. Et nous sommes prêts à aider le pays à résoudre les questions de sécurité qui se posent en intérieur, notamment avec le groupe des pays des Grands Lacs. Et nous sommes tout à fait prêts à soutenir la République démocratique du Congo. Voilà. Est-ce qu'il faut attendre que les autres nous soutiennent? Non, c'est à nous, c'est à vous de se prendre en charge. N'attendez pas les autres viendront dès qu'ils vont comprendre que nous sommes capables de sauver les Congos. Voulu ce Kimbangu et les autres attendent cela. Donc, c'est-à-dire que n'attendons pas que, oui, les autres vont nous aider. On attend tel pays, la Russie, les autres viennent nous aider. Attention, ne tombe pas dans ces pièges-là. C'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes de le faire voir. Ba tata, ba coco, ba jeune, ba nani, ba chef coutumier, tout le monde, je vous demande de se mettre debout pour
dire aux autres qu'on a compris qui sont nos ennemis, c'est vous autres occidentaux. Vous êtes nos ennemis. Alors combattons-nous contre ces occidentaux qui sont nos ennemis aujourd'hui. Voilà, bande koba na somme ko le Congo ya solité, manso les akoleka, na mabele ko le Congo na kanti bino nyonso, bozo ko mona ngo de près. Il est temps pour nous de se mettre debout pour dire on défend la nation Congo. Voilà, bande ko, il faut défendre la nation Congo. Comment? Il faut se battre. Il faut se battre, il faut mobiliser les gens, il faut montrer l'ennemi du doigt. Il faut ennemi à sentir par ces gens-là que vous croyez, que vous pensez qu'ils sont des démocrates, ne sont pas démocrates. Nous allons le faire voir aussi que, comme ils ne sont pas démocrates, nous allons combattre contre ces gens-là. Alors, de l'autre côté, Bolanda. Voilà, c'est la stratégie que les autres bazo ont mené pour être l'acceptation que tout mes grave. Même tout mes graves, t'es n'attends que binon, nos populations, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord plutôt, pour dire non, non, non aux occupants occidentaux. Les occupants, maintenant, ne parlons plus de ces petits, ne pèsent pas devant nous. Tout le bénin, ne pèsent pas. Tout le bénin, voilà pourquoi ma consigne. Tout le bénin, communauté économique de l'Est, ils sont petits. Tout le bénin, Ouganda, Rwanda. Oublions ces gens-là. On montre du doigt à la France, aux États-Unis d'Amérique, à l'Allemagne, à la Belgique, à UK. En Angleterre. Donc ce sont ces gens que nous devons montrer des doigts. Moko la bino mobilisation to lobi que le loto comprendre qui sont nos ennemis. Ce ne sont plus l'Ouganda et le Rwanda. L'Ouganda et le Rwanda c'est qu'on dit tout le monde. Mobilisation, passer le message aux autres amis pour expliquer que non, ce n'est pas les Rwanda qui nous menacent. Nous, les petits comme les M23, ils n'ont pas les moyens. Ce sont des malheureux, des misérables. Ils n'ont pas les moyens de combattre le Congo. Ils n'ont pas les moyens même de tenir une minute avec la RDC Congo. Comme on a compris, ce sont les Occidentaux. Laissons ces gens-là et on combat contre les Occidentaux. On leur montre les doigts. C'est Bino. Bino. Et là, quand ils vont sentir que la colère de la population va venir attaquer ma bien à Bango, va venir attaquer les multinationales, c'est ce que vous devez faire. Attaquer les multinationales qui sont parmi ces gens-là, qui font du travail aisément dans le quartier Koloko. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent chez nous, ils envoient chez eux, et alors ils manipulent les gens comme si rien n'était. Ils sont en complicité avec la MONUSCO. MONUSCO, ils ont protégé Bango pour dire que oui, hein, non, nous sommes là. Et dans l'entretien, ils sont en train de voler. Attaquons. Bande Kobo Tika Souto ma veki les akoleka, na sumba lesa, na moba, na train partout. Ne laissez pas ces veki là sortir. Ne laissez pas tous ces bois que vous voyez là sortir. Na katina boma, na katina matadi, tout le long du chemin, nous voyons ba tak, ba grima ma ba les akoleka. Donc nous allons montrer maintenant ces gens là que non, ah voilà, vous voulez nous détruire pour cette histoire là, pour nos bois. Ok, les bois sont là. On attaque ces bois-là. Ça ne sort plus. Pour les minéraux, hein, les véhicules ne sortent plus. On attaque ces véhicules-là. Ça ne sort jusqu'à ce qu'ils vont nous laisser tranquilles, collaborer avec nous directement pour dire oui, on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, si on a besoin de nos ordinateurs, on fait quoi? On va les acheter, non? Si on a besoin de véhicules, on fait quoi? On achète. Mais pourquoi ils ne veulent pas acheter? Ils achètent chez qui? Pourquoi ils manipulent les petits groupes? Tous ces groupes-là, à gauche, à droite, ils sont manipulables par ces Occidentaux, pas par les Rwandais. Les Rwandais petits, pas par les Ougandais. Ils sont trop petits, tous ces gens-là. Donc, nous, on sait aujourd'hui, on a tous compris, ils se sont dévoilés. On sait maintenant que ce sont ces Occidentaux qui manipulent tout ce monde. Les ambassadeurs qui sont là, comme je vous ai dit la fois passée, ils étaient là sur les scènes de crime. On a vu, premier, qui l'ambassade du Canada, l'ambassade de
de quoi de Sénégal et l'ambassade Sénégal, c'était hollandais, Canada. Donc, ce sont des grands gangsters qui étaient à la base pour dire voilà. Et on a suivi ce qui s'est passé à Katina, au Rwanda, que oui, ce sont ces gens-là qui donnent les aides à qui aux autres pour aller assassiner nos frères avec les ONG et mensongères pour dire que oui, nous sommes prêts pour vous aider. On n'a plus besoin d'aide. Nous devons sauver notre État et nous devons chasser tout ce monde-là. Voilà, bande qu'on a canissé, veille patriotique, ils ont banda partout. Voilà, qui croyait que vous devrez voir ça dans vos écrans? Donc, parler de Kabinda. Kabinda, beaucoup de gens nous ont menti, surtout les Occidentaux, nous ont parlé des 9 provinces. Je vous apprends aujourd'hui, au Congo, nous avons 10 provinces. 10 provinces, Oyo, Ezako, Koko, encercle Congo. Kabinda, Bobo, Sanakango. Kabinda, Batangola, pour mater ma Kabinda. Et les Kabinda, nos frères Kabinda, se sont mis debout pour dire oui, nous réclamons l'indépendance auprès de Angola. L'Angola doit libérer les Kabinda. Et alors, ces gens ont marché encore à Kinshasa, mais sous silence radio, personne n'en parle de ça. Mais nous vous parlons, ces gens-là sont arrêtés aujourd'hui, sont dans les mains de Félix Antoine Tshilombo avec son ANR. Pourquoi ces gens-là sont là-dedans? Batouana, c'est sous ordre à Juan Lorenzo, ou a-t-il dit Félix de les arrêter? Ils ont marché à Kinshasa pour dire non à l'occupation de l'Angola, na Katina Kabinda. Et voilà, ces gens-là, plus de 10 personnes, sont aujourd'hui aux mains de l'ANR, na Katia Kolo Congo. Et voilà, c'est la dette au Félix, parce que Félix est un businessman. Félix cherche que l'argent, on lui propose, il gagne. Mais Félix, Lorenzo, j'allais chercher à savoir comment cet homme qui a volé le pétrole du Congo au nom de Santos, aujourd'hui, il s'est retrouvé là, sa mort, son cercueil était là, exposé devant le véranda, sans écho. Et bien, millions de bouts, il y a le Congo, il y a Angola, il y a nulle part. Au moins, je pense que il faut écouter pour comprendre la réalité. Voilà, Bandeko, Tolanda. Le Forum économique mondial a des ressemblances extrêmement troublantes avec le nazisme. C'est la même idéologie, le transhumanisme et le nazisme, c'est la même idéologie, les sous-hommes, les surhommes. Le fait qu'il faut tout contrôler, qu'il faut avoir pris possession de la vie des individus dans chaque recoin. Les nazis se sont réinfiltrés après la guerre dans le gouvernement américain, dans les réseaux de recherche scientifique américaine, à l'ONU, Kurt Waldheim, ancien nazi, Commission européenne, un des premiers commissaires, était un nazi, OMS, héritage nazi, George Soros, héritage nazi. On voit le nazisme ressortir de partout. Ce sont souvent les mêmes sur le plan héréditaire. Klaus Schwab est le fils d'un dignitaire nazi qui utilisait des prisonniers dans ses usines. Et ça est en train, Prescott Bush, le grand-père de George W. Bush, était un des principaux financeurs du régime hitlérien. Wow. Et Rockefeller était un des principaux financeurs du régime hitlérien. Donc, je n'affirme rien à ce stade, mais on a un faisceau d'éléments très inquiétants et qui commence à être probants, qui laisse entrevoir que nous sommes probablement face à un retour de la pieuvre. C'est-à-dire que ce monstre que nous croyons avoir vaincu en 45 est de retour sous un autre visage, avec d'autres leviers, mais la même intention finale, c'est de pouvoir prendre un contrôle absolu sur la population. Voilà, vous avez compris. Et alors ce sont ces gens qui vous pensez sont des démocrates, qui vous croient que ce sont les Occidentaux qui viennent nous aider avec les ONG. Ce sont des nazis. Bazaba nazis, attention, ils sont trop méchants. Et nous allons vous montrer une image. Là, vous allez comprendre qu'effectivement, ce sont des nazis, qu'il ne faut jamais faire confiance à ces gens-là parce qu'ils ne sont pas là pour notre intérêt, pour votre intérêt à vous. Ils sont là pour vous détruire. Alors, comment est-ce que image, il y a la France, c'est là où vous allez comprendre que la France, ils ont fait partir, il y a un grand nazi de ce monde ici, beaucoup moins avec d'ailleurs, tirer une image en haut, où il est kaki, la katina, va détruire, va pomi, va carni, tout le monde, nous sommes là. Voilà, c'est là où vous allez comprendre à qui nous avons affaire dans ce monde.
Voilà, Bandeko Banasome Kolo Congo, c'est triste. Là, vous allez voir les images des criminels que hier, parmi vous, Bomano Kantsake, ce sont des démocrates qui sont venus pour nous aider en Afrique. La France n'est pas venue là pour vous aider. Ce sont des criminels. Voilà comment l'humiliation de la France face au monde, comment regarde. Regardez, mes chers amis. Regardez, mes chers, c'est incroyable. Incroyable. Ils écrasent tout avant de fuir. Incroyable. Et comment ces gens-là, vous les appelez, que non, ce sont des démocrates. Ils sont venus pour nous aider. Ils ne sont pas là pour vous aider. Attention, faisons beaucoup d'attention. Ce sont des criminels, des terroristes français qui sont en Afrique. Ce sont des terroristes allemands. Ce sont des terroristes. Oyonyo, américains, canadiens, ce sont des terroristes. Attention, Bandeko, toke banabango. Et alors, nous, on dit non, il faut les chasser. Tous, il faut les mettre dehors, hors état de nuire l'Afrique. Voilà, Bandeko, et la Sony Mawa. Alors, ton personnel rendez-vous n'a plus sur demain. Demain, c'est l'information. Je pense que demain, Togo sera en direct dans la mission Nabiso. Le sac est pas Nabino, Matondo Nabino, Nosso, Obalanda Kibiso, Olelo, Balek Nabino, Matondo Mingi. Merci pour vos soutiens. Nzambe à Pambo Labino, Tokutani Mokona Lobby, Ingeta, Ibobo, Matondo.